Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le SAS. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Formation professionnelle, la pral nan mitan échange le matin, pour regarder la réalité de l'école professionnelle, nous yo journée, jeudi, et ouais, perspective, yo, surtout nous pas trop loin arrivé dans l'autre année. Regardez tout, quelques préoccupations, plusieurs même syndicats et formations professionnelles exprimées sous Jean, eh bien, INFP a marché, sous Jean, l'école professionnelle, nous, a marché. Et pour nous faire ça, nous allons recevoir une personnalité qui est mieux indiquée, directrice générale, Institut national, formation professionnelle. Là. Maggie Diousse, qui a accepté de répondre à une question, télévision nationale d'Haïti matin. Hein. Madame Diousse, son plaisir pour nous soutenir aujourd'hui. Son plaisir pour moi, Serginio. M'a salué où, m'a salué. Tout staff technique là, tout audit, alors, mon cap suivre l'émission, hein, et la matin, émission mise au point, et je pense que c'est vraiment une mise au point que nous avons fait parce que l'INFP est rentré dans la fin d'année, dans une vague de. Et nous avons dit une vague, bon, quitter le constat parce que c'est à différents niveaux, et nous ne parlons pas pour qui ça, mais nous sommes sûrs qu'avec mise au point, nous avons gagné en pile vérité. Qui est capable d'établir et qui pourrait être, parce que même Jean t'a dit avant hier dans une station sœur, et Voltaire t'a dit mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Mais nous estimons que nous avons assez de bagages pour ne pas arrêter rien, parce que nous croyons que le pays a, qu'on y a, il y a trop de mensonges pour aller, et nous croyons que nous devons, qu'on y a, faire un pile effort pour nous capables de stopper et permettre que la vérité, c'est lui-même qui prime, c'est lui-même qui est capable d'affranchir nous. Parfait. Ben démarre avec l'aide coup sur les comptes écrit à Premier ministre, comme quoi INFP, pas tabac information qui vient pour un dossier Fonds Petro-Caribé. Il y a un ensemble d'enquêteurs qui ont travaillé sur le dossier, puisque le coup des comptes promet un rapport en janvier. Qui ça a un problème? Pour qui ça, INFP, pas tabac bail information qui concerne ce dossier, ça, Madame Diousse? C'est une belle question, parce que, alors, et le président de la Cour supérieure des comptes l'y écrit, l'y mettait la directrice générale de l'INFP. Alors que dans l'autre institution, yo, l'autre deux institutions que l'était indexé, l'y mettait institution. Yo. Et donc ça montre que c'est peut-être aux mes interprétations, je me dis là, mais je dis que l'accusation, hein, son accusation mensongère, parce qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Et moi, je prends le soin. Et l'homme est venu au courant de dossier ça au niveau de réseaux sociaux parce que je n'ai pas recevoir aucune documentation officielle. Ministre, moi, Pierre-Josué Agenor Kader, littéré ça a environ 15 jours pour lui dire que, ah, Magui, il y a un mensonge effectivement qui a couru sous dos, et, mais on n'a pas besoin de fatiguer parce que moi, relé qui de droit et moi, expliquer au contraire, c'est vous-même qui t'es poté tout soutien à instance et qui c'est Cour supérieure des comptes, à représentants qui t'es pour te venir travail, etc. Et lorsque je me rencontré ministre, c'était même pas un document officiel, c'était une réunion que le jugé nécessaire pour le faire avec tout le cadre éducation national yo. Et technicien ça yo te pour venir travailler pour le ministère de l'éducation et moi même puisque me fait partie de WOCAD ministère là lorsque il était question non seulement te gon seul dossier qui était concerné INFP c'est un centre qui était construit et à Pillon et de 1 million de dollars yo metté li dans une liste et puis c'est lui même pour nous te chercher des informations comme des documents de projet documents de contrat et te gon liste d'informations que nous te doit bail sous document ça yo nous disons bien d'accord nous même nous pral à la recherche, mais nous t'ai proposé tête nous comme représentant INFP pour que équipe et Cour supérieure des comptes là, l'été travaille et en toute quiétude, en toute sécurité et surtout en toute discrétion. Et c'est moi qui t'ai dit dans la réunion, je dis ministre, et plutôt nous faire le travail INFP, même si on parle de travail pour chercher dossier, tout système éducatif là, parce que l'espace que nous gagnons est tellement discret, il est tellement pas grand pile monde qui a monté des sons là-dedans, donc ça va permettre que discrétion, que vous avez besoin, vous joignez. Et non, c'était dans vendredi 9, à vers midi, 1h, réunion ça a fini, et automatiquement dans la même réunion. Vendredi 9 décembre? 9 novembre. Et dans la même rencontre ça,
en présence de ministre, c'est moi-même et mon cabinet ministre, passer mon téléphone, M. Paul, que me parler avec lui, c'est pas mon téléphone, PAM, moi dis que moi c'est directeur général INFP et que mais qui côté ministère l'en pral mettre à la disposition pour le travail dans INFP et c'était depuis le 12 novembre que l'équipe ça a commencé travail, yo t'ai travaillé pendant une semaine, yo mandé yon prolongation de deux semaines et yo t'ai travaillé jusqu'au 27 novembre. Et après que au fin travail 27 novembre, moi-même c'est même 27 novembre ça tout que nous-mêmes au niveau de l'INFP, nous t'étant fin et recueillir documents que nous joignions et nous qu'on fait compilation yo et nous soumettions à ministre nous qui t'a écrit nous lui-même après pour demander nos documents de manière officielle. Mm-hmm. Donc on avait fait cette transmission officiellement à notre ministre de tutelle. Donc c'est bah j'ai rencontré yo. En plus j'étais en voyage, j'étais en mission et de formation pour l'INFP. Donc pas en plus et administrateur moins bon rapport côté que l'idim c'est lui-même qui voyait déplacer machine à mener yo dans bureau côté où il travail là. Donc ça veut dire que moi-même moi estimé que non seulement moi fait devoir en tant que haut cadre de la fonction publique, moi remettre document que me joigne qui c'est contrat et de construction, contrat de supervision et le contrat d'équipement. Et à ce moment-là, moi, 10 ministres, là, mais qui document nous joignent, n'a pas continué à chercher l'autre chose parce que à aucun moment, le directeur de la planification, M. Charles Lorrain, il était écrit une lettre parce que automatiquement, moi, je vois demande ministre, là, il a même moi transmettre une demande, là, pour que il fasse recherche dans planification et dans UCP. Et il tous les deux écrit, il a dit à aucun moment, l'INFP n'avait pas porté le dossier de construction et de Pignon et d'autres et écoles qui étaient construites. Mm-hmm. Et m'a prend un exemple côté que moi intégrant dépêché le directeur de l'UCP pour aller sous les lieux lorsque li pote photo que li fait yo la pancarte qui li même là pour marquer et information de construction généralement que toute firme yo mettait hein, li marqué UNFP et non INFP li mettait que c'est en construction qu'a fait par le député de Pignon et en dessous li marqué pour maître d'ouvrage ministère de la planification et de la coopération externe. Mmh. Donc, quelque part, il y a une recherche à faire plus approfondie au niveau de la Cour supérieure des comptes pour aller chercher qu'on est dans qui instance que dossier ça y est, qui est-ce qui t'est porté, yo, parce que nous-mêmes, dans l'INFP, nous pas joignons vraiment des dossiers qui détaillés, mais qui tranchent, qui te baillent, etc. Mais les dossiers que l'INFP a soumis, yo y a toute information en termes de cours, en termes de temps, en termes de firmes qui étaient faites, etc. Ça avait dit, nous ne pas te camper en quoi pour ne pas d'informations à enquêteurs ou des coutures. Non, au contraire, nous avions mis à la disposition des enquêteurs non seulement un espace, mais matériel et équipement. Et grand détail, côté que représentant UCP1 et unité de coordination des projets, il dit que l'UOT allait quitter imprimatio le 27 et c'est le 29, il a délégué un chauffeur pour venir chercher imprimante. Ça veut dire que tu as gagné de bonnes collaborations, de bons rapports dans le bureau ça, à côté que tu travailles dans l'espace que INFP mettait à disposition. Mais si nous avons toute information, ça, pour qui ça la Cour des comptes, écrit pour le ministère pour le dire, nous ne parlons pas d'informations. Eh bien, c'est ça que fait moins dit, c'est ou bien son méchanceté, ou bien c'est une mésinterprétation. C'est peut-être un problème de contrôle. Parce que Jean Tap dit, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la Cour supérieure des comptes. Là, moi t'ai expliqué puisque ça t'est arrivé que dans semaine que m'a subi et processus contrôle là, c'est dans semaine m'a pensé le processus de contrôle et la gestion dans ENAP. Donc gagné et contrôle là il y a un temps, il y a avec information, il y a avec vérification, il y a avec contre-vérification et moi dit par exemple et moi son haut cadre même genre avec lui, haut fonctionnaire quelque part on relation de vertical de même s'il pas vertical
mais li horizontal côté que gen yon contre vérification te ka fait sinon ou vérification pour garder est-ce que pas rencontrer moun yo est-ce que pour qui raison pour me ta gagner en plus que m'pat là m'pat en poste depuis en 2007 et moi te alors depuis 2008 et septembre 2008 m'pat en poste encore et m'pa gen rien pour moi question de Petro-Caribe m'songe alors m'di c'est drôle que le 4 novembre moi remettre fonction comme ministre et moi gagner et la ministre qui était madame Garnier qui remplaçait le ministère du commerce et le 8 et octobre et 8 novembre soit environ 4 jours après moi c'est première fois que c'est premier contrat Petro-Caribe qui était signé donc quelque part pas rien pour moi avec Petro-Caribe on va dire aucune résolution pendant tes ministres aucune résolution pendant tes ministres pas de signer première résolution et le gouvernement d'Alexis n'a signé aucune résolution par rapport à Petro-Caribe la première résolution a commencé avec Madame Michel Pierre-Louis. Donc le 8 novembre et le 8 septembre, lorsque moi-même j'ai été quitté. Donc premièrement, pas gagné avec elle. Et même si ça t'a concerné, en tant que responsable de l'État, c'est une obligation pour me partager information que moi joigne en dedans une institution que n'a dirigé. Bon, l'être moi là, c'est ça, c'est le premier ministre Axien qui m'a dit, ministre de l'Éducation nationale là, professeur Pierre-Joseph Agino Kader, c'est ministre de tutelle. Pour passer instruction à la directrice générale là, pour la mettre disponible toute information qui est liée à la question Petro-Caribe à disposition de Cour des comptes, Cour supérieure des comptes et du Conseil administratif. Ce sont des lettres qui datent de 10 décembre 2018. Eh bien, justement, c'est une administration nous connaît qui fonctionne, administration de l'État. Généralement, il fonctionnait, permettre de dire, avec un pile dysfonctionnement. Et yon nan dysfonctionnement, c'est les liens relationnels, c'est les liens informatifs, c'est comment l'État doit communiquer. Moi-même, c'est la première fois que je t'en lettre comme ça. Je suis même au courant de lui. Ça veut dire mais même que... Non, alors non. Le ministre m'a appelé, j'ai dit, et plus que environ le 13, je crois que c'était le 14. Le 14, vendredi 14, quand le ministre m'a appelé, c'est une information que lui tendait. Et que comme président relé sous ça, lui partageait avec le président, lui dit président que au contraire, c'est ça le dit. Président Koudakoum, président de la République. Le président de la République. Okay. Et le président et le ministre m'a informé que il y a une mésinformation, une désinformation qui fait contre moi, puisque ces ministres à Kader qui vivent beaucoup plus que moi. Et comment m'te ouvert à Cour supérieure des comptes, comment m'te offrir à la Cour supérieure des comptes, comment m'te intéressé par yo espace, par yo toute disponibilité pour yo te travail. Donc, ministre, l'on leur relé moi, il dit, Madame Magui, et m'apre l'on pas qu'à joindre nous, mais voici un état de fait, mais ou pas besoin fatigo parce que moi baille président information qu'il faut. Donc, ministre pas au courant. Le ministre de l'Éducation nationale n'était pas au courant qu'il y avait une lettre dont que nom là dedans qui allait et joindre au premier ministre. Ça veut dire que le président de la Cour supérieure des comptes n'a même pas pris le soin de copier à mon ministre que ministre lui-même s'il y a information t'a copié me là-dedans. Alors que à ce niveau-là, c'est pour une plainte pour apporter, parce que le contrôle en termes d'objectifs, en termes de définition, c'est pour l'amélioration du service. Donc, on a un dossier qui est très fragile. Écoutez, il y a une pression sous dol pour le rapport en janvier. Justement, il n'y a pas qu'à sortir pression sous dol pour laguer son mensonge ou bien pour laguer le sous dos. On a un monde qui n'a pas grand rien, premièrement, pour être avec lui, et deuxièmement, qui ouvre bras libali. Donc, je pense que là, c'est un manquement très grave et de notre Cour supérieure des comptes, puisque tout pays en situation est délétère. Donc, quelque part, dysfonctionnement, la privée dans n'importe quelle sphère, quel bureau et en dans administration publique. Là. Donc, moi-même, je pense que, et moi estime que c'est trop grave pour que nous pas qu'à communiquer entre nous et n'a parlé de dialogue tout le monde a parlé de dialogue mais c'est vraiment un dialogue de sourds parce que si les hauts cadres de la fonction publique ne peuvent pas communiquer entre eux si le président et de la Cour supérieure des comptes
monde, pas capable de copier ministre éducation alors que la pote plainte pour propre en cas un employé qui dépend de lui sous tutelle lui et voir pour moun ça ou à pote plainte parce que il y a toujours le contrôle, il y a toujours la vérification, il y a toujours contre-vérification et quand il y a erreur, il faut que le corriger. Mm. Donc si son erreur qui t'a passé à ce moment, il était qu'à corriger d'abord avec moi. Deuxièmement, il était qu'à corriger avec ministre là parce que si le président de la Cour supérieure des comptes il était même parlé à ministre. Ministre t'a dit mais non au contraire, c'est Magui qui débloqué réunion pendant n'a cherché dans qui unité pour nous ta fort travail. C'est lui même qui dit mais non dans UNFP. Donc à ce moment ça aurait été déjà étayé et pas ta privé dans dimension ça. Donc yon erreur qui commise par yon quelconque, est-ce que c'est technicien yo qui pas connaît que c'est en dans UNFP au travail? Est-ce que c'est qu'on est ou pas qu'on est? Si c'est Magui Durcé qui directrice générale INFP, ça peut arriver. Parce que tout bruit où INFP a fait et actuellement, c'est Kounye, oui. Moi-même, monsieur et grand pile moun, et dans faux syndicat, parce que moi-même, moi traité syndicat, monsieur Léveillé, de faux syndicat. Parce que premièrement, monsieur Léveillé, li non instance de pension. De retraite civile. Monsieur Lévé a 42 ans dans INFP. Si gen moun ki krasé, c'est lui-même. Si gen moun ki rend dysfonctionnel, c'est lui-même. Donc lorsque on connaît ça, mais lorsque moun yo a parlé de chaque jour qu'on y a l'INFP dans télévision, chaque jour INFP dans journal, pas gon semaine INFP pas dans nouvelle liste à un niveau ou à un autre. Mais où était ce INFP 4 ans de cela? Où était l'INFP 3 ans de cela? Où était l'INFP 2 ans de cela? Donc l'INFP vient tout à coup, on belle fille, et puis tout le monde envie filer, ou bien tout le monde regrette que ce n'est pas eux-mêmes qui est avec lui, etc. Donc ça vient faire ma fini pour me dire que l'INFP tellement cougné en vogue ou bien en vue, et à ce moment, c'est l'INFP qui est plus facile, qui peut devenir ou bien le bouc émissaire, ou bien qui peut devenir le baudet, et que tout le monde décide pour crier haro sur le baudet. Maintenant, après notre ça, on fin sorti, et tout le monde prend connaissance de yo, qui sa démarche portée pour assurer que le président coude contre là, et effectivement, vous mettez tout dossier disponible, pas de problème dans le niveau PAM pour enquêteur mener enquête correctement. Exactement. Moi-même, je n'ai pas couru à la radio, à la presse ou bien sur les réseaux sociaux. Tant que je dis, président Cour supérieure des comptes, je suis assuré que notre que je prends ensemble pour me faire, parce que le temps de là, le ministre vient dire que le pas au courant de l'être lui-même et que était juste au courant et de manière, et bon, pas quelque part informel, mais il y a une discussion qui était faite et au plus haut niveau de l'État. À ce moment, moi-même, moi été en silence, puisque le ministre moi dit que il défend le dossier, il dit vérité. Et maintenant, c'est deux semaines après que nous pour aller au courant et que gagner une lettre qui était faite depuis le 4, ministre pas au courant, moi-même, moi pas au courant, personne n'en a parlé. Qui l'a mis dehors, même le président de la Cour supérieure des comptes, pas au courant de à quel niveau que lettre ça a été sorti dehors, parce que c'est pour lui une lettre confidentielle. Maintenant, l'homme au courant, moi dit, eh bien, équipe, nous avons fait et mise au point hein, en ramassant, recueillant toutes les lettres que des marches administratives que nous avons fait depuis la première correspondance. Dans demain, tout monsieur te répond, moi qui t'a traité dossier ça, il dit que pas de dossier qu'on s'est porté. À ce moment, moi-même, moi mette, non seulement ministre au courant, même te mette chef cabinet à de temps en temps me dit ah, n'a cherché de nouveaux pistes, etc. Parce que il semble que il y a des difficultés, nous pas qu'à jeune dossier. Mm-hmm. Et finalement, moi t'ai obligé faire une note et sortie parce que les réseaux sociaux et avec et la presse, ça fend nous, fend do Magui Durcé, Magui Durcé ici, Magui Durcé et par là. À ce moment, il fallait faire une note et bien que généralement, moi j'aimais garder silence. Et c'est ça que fait, moi dans la presse, tant pour que dans la presse, généralement, lorsque j'ai une activité INFP à mener, sinon, c'est chaque zin qui fait sous dôme, chaque mensonge qui fait sous dôme, mais tant qu'on est obligé de venir répondre, parce que c'est attaque, donc obligé à venir pour capable et presque paraître comme moi, pour défendre, etc. Ce que je n'aime pas trop.
Donc, on y est, on m'oblige, j'ai vu faire l'objet de la presse. On parle à président Koudé contre la tour. On parle à président Koudé contre la tour. Après le traité. On parle avec lui en vent. Parce que depuis le ministre et moi, et Pierre-José Angelo Cadet, Thierry Lem, pour le dire que, mais qui s'acquivait, que le fait mise au point avec le président Cour supérieur des comptes, là, avant même que moi-même, moi, j'étais au courant, il était bon téléphone, le président et Cour supérieur des comptes, là, personnellement. Moi, relève, moi, expliquer, moi, dire, ah, je ne pas connaît ça qui passe, mais allez, essayer la caillou, regarder, recontrôler, regarder si mon yo c'est comprendre, yo pas comprendre, est-ce que c'était INFP qui te mettait tout ça à leur disposition. Il était dit, effectivement, li pral fel, la proto. M'appelle là, etc. Est-ce que pas, non, il ne m'a pas retourné l'appel jusqu'à présent, mais je l'ai rencontré au palais lors de la salutation des hauts fonctionnaires de l'État et on a passé près de 30 minutes. Encore, je lui ai expliqué et il semblait comprendre et il était promet moins que la résoudre parce que ce que je lui ai dit, la signature de vérificateur national, de mon premier vérificateur national, li vaut son pesant d'or. Et que yon dossier comme ça, li doit gen poids, li doit gen contenu. Donc moi-même, moi estime que tout contenu que tu là dedans et quelque part li mensonger. Et dans ce sens-là, moi te dis, premièrement, je pense que fok lui-même, li ta gon note de rectification. OK par rapport au premier ministre que le t'ai écrit pour depuis qui pour arriver sous moi et dans le deuxième temps au lieu que m'ta subi et m'ta capable dire injustice et en termes de communication et par rapport à la presse et par rapport au Petro Challenger etc., moi pense que l'important pour que au lieu que c'est l'inverse sa réalité en c'est lui qui pour ta venir sous moi c'est yon on l'est qui pour ta à la fois excuser, m'amander pour faire m'excuse, mais qui pour rétablir les faits, la vérité. Et deuxièmement, bon mieux petit encouragement, parce qu'il y a la motivation aussi dans l'État. L'on monde font des œuvres qui bonnes, il faut l'encourager. Donc maintenant, pays n'a pas qu'à virer et tête en bas, devant pas tourner des écailles. Moun kap travail, c'est sous li ap tire, y a voye boule rouge. Et puis, moun ki pap vin travail, c'est eux même qui kembe la presse, kap travail, kap bay menti, etc. Donc, ou vin gon pays tête en bas, côté que ce qui doit être vérité, c'est lui-même qui est présenté comme mensonge ou presque pas qu'on côtoye. Donc, moi-même, pour la vérité et pour l'histoire, l'INFP, à son niveau, a non seulement remis les dossiers que l'on retrouvait par rapport à la question, hein, en mettant l'accent pour le ministre de doute qui gagne que c'est à INFP vraiment qui était porté, parce que bon paquet, INFP pas de gagner dimension pour le porter tout gros projet de construction qu'a fait. Donc, et ça fait pas de grand pile tout que tu es finalisé. L'homme rentré, je n'y ai tout à 15, 20%, 25%. Donc, c'est dans un an, avec appui et président Jovenel Bay INFP, hein, qui vient faire que nous aller vite et bien et nous arriver en un an, faire finaliser Santio et faire inauguration au Jean Nouel. Est-ce qu'un enquêteur fait un travail pour ça qui vient pour INFP sur le dossier Petro-Caribéen? Et pas connaît parce que m'pas gagne aucun retour. Premièrement, m'pas rencontré aucun enquêteur sauf moun mwen te parlé avec qui relé monsieur Paul et que le monsieur Adam, Pierre Adam et le coordonnateur de l'UCP te mandé et tout nol, li dit pour la discrétion, li pa bay nol. Ça veut dire que li vini, yo offri l'espace, li travail, mais li te dit par rapport à discrétion, li pa bay tout non complet. Et puis il y a le chauffeur et qui li même te vini nous gen non complet li ce qui échappe pour le moment qui te vini après 12 jours vin et réclamer l'imprimante qui te conservé yo pour yoté et multiplier dossier yo pour yoté travail etc. Faut me rappeler mon nom à ce matin madame Maggie Dussek, c'est directrice générale de l'Institut national de formation professionnelle INFP. Dans première partie de l'émission, tu as surtout regardé dossier Petro-Caribéen par rapport à l'aide coup des comptes et demandé pour ministre pour te permettre INFP mettre tout dossier disponible pour enquêteur pour les comptes. Madame Dussek souhaite bailler toute réponse qui lié à dossier ça. Là nous allons regarder réalité formation professionnelle là l'école professionnelle yo. Je dis à comment santé INFP, Madame Dussé, nous avons fait une année, nous prenons une année qui va arriver sous peu. Bon, santé INFP par rapport à Jom de Jouen INFP, nous sommes capables de dire le papi mal.
li pa pi mal ou kon lò malade te vreman mal et ou commencé à porter attention à lui et moi saluer et président de la République hein, monsieur Jovenel Moïse que tout le monde ouais et que ce soit dans la presse dans ses discours qui toujours a présenté INFP comme un outil de développement un bras droit un bras et genre les bras technique développement et qui mettait en pile et t'as capable dit faire permettre que nous joignes support que nous pour nous joindre et moyens pour nous capable travailler bien que nous joignes INFP avec environ 300 millions de gourdes comme frais de fonctionnement avec presque 70% moun nan INFP pas nommé yo pas nan aucun et t'as capable dit carrière et en dans l'état parce que c'est deux moun yo qui gen 15 ans ou gen 15 ans ou pour renouveler contrat au monde chaque année gen moun qui te gen 20 ans gen moun qui gen 7 8 ans ça veut dire que moun nan même motivation li pa gagner et me te comprendre que INFP te aussi dark aussi noir ou aussi sombre et parmi toute institution qui te existé maintenant premier ça nous te fait c'était ba visibilité à INFP parce que nous connaît quel que soit fonction hein, que c'est fonction publique que c'est entreprise li gagne parti personnel lan tout moun nan l'individualité li joue yon rôle tout parce que moi pense que moun mwen ye en poté pour INFP dans la mesure où moins nan domaine moins dans plusieurs domaines et par rapport à formation professionnelle moi gagne plusieurs diplômes formation professionnelle tout moun te konn ça depuis longtemps m'a fonctionné avec Haiti Fashion Week en plein formation professionnelle question mode couture haute couture et cosmétologie et wap fè dégustation station cuisine pâtisserie donc quelque part question lumière question son donc où vraiment et moi-même en pile monde t'ai estimé que l'homme vinn dans formation professionnelle là moi dans place moi bien que moi t'ai déjà occupé fonction ministre déjà et moi dans domaine management public mais grand doctorat en management m'a enseigné et management etc donc quelque part moi crois que et toute et t'as capable dire et mis à part et aspect et politique là parce que ou pas qu'à faire aucune institution avancer s'il y a pas une volonté politique. Mm-hmm. Donc volonté politique là ministre moi et Pierre José Agenor Cadet sont monde qui comprennent dimension INFP hein, li pa gè aucune mémise que le fait sous li quitte nous avancer, li quitte nous travail bien que nous travaille en collaboration avec cabinet li etc. Donc quelque part nous rivé et faire INFP hein, ça lié jodi hein, en termes de non ça que tout moun konnen kounye an ki sa INFP a fè ki sa l kapab fè et ki sa l poko fè donc mais il y a combien d'écoles professionnelles qui marchent dans pays nous gagnons 21 l'école professionnelle et pratiquement qui marche et par rapport à secteur public là mais nous gagnons environ 200 qui recevoir et homologation de l'INFP et à partir de ça yo gen accès à formation yo gen accès à certification que l'INFP bail là mais en même temps tout ou gagnons environ 800 presque 1000 cap fonctionner sans homologation INFP et c'est une domaine que par rapport à qualité éducation hein, ça nous voulait porter en termes de qualité hein, nous pral river sou yo pas pour fermer yo parce que nous même nous dit c'est même Jean l'homme te ministre du commerce nous te kon al jauger pompe yo nous te kon fermer yo et pendant yon temps avec on juge de paix mais c'était pour capable améliorer jaugeage là pour te respecter valeur gaz qui te qu'on a bail parce qu'on doit le remplir un bonbon et pour ouais l'arrivée le parfois une semaine donc nous croyons que jusqu'à présent problème ça l'a présenté donc nous pensons que c'est même démarche là côté que à partir de janvier prochain nous pourrons arriver sous l'école ça yo et écrire yo et rentrer yo dans une logique de labellisation avec des différents niveaux même genre touriste fait et puis qui pour permettre que de 1 à 5 ou bien sous carré les étoiles ou bien si nous carré les et n'importe l'autre et indicateur que nous ta prendre et puis on capable au fur et à mesure mettre yo dans des range et puis cap permettre nous aider yo avancer par rapport avec question infrastructure et par rapport à question infrastructure de qualité en termes de professeurs parce que l'INFP l'état lui-même non seulement la porté l'école sous compte que l'a dirigé mais puisque li vinn régulateur instance régulatrice de toute l'école yo li gon regard sous toute l'école yo nous travaillons à Canada
Et 24 sur 24. Nous travaillons avec les frères salésiens 24 sur 24. Haïti Tech, nous avons une relation avec eux. Donc, ça veut dire que même les gens qui ont un bon niveau assez important et par rapport à l'infrastructure, la qualité professeur, la qualité programme, etc. Donc, nous pouvons regarder dans qui mesure ils même ils arriver vers les centres qui ont même de moindre niveau par rapport à qualité. On regarde l'école publique, yo, si on prend un JB Damien par exemple, si on prend un centre pilote, est-ce que je dis à nous cap dit l'école ça a marché? Oui, l'école centre pilote, c'est une école qui a marché à plein rendement et dans la mesure où nous gagnons environ 7 à 8 millions de dollars actuellement qui a investi depuis environ 8 à 10 mois qui a investi en dedans et centre pilote. Centre pilote li en restructuration actuellement, n'a pour restructurer tout atelier yo et nous redoter centre pilote de matériel et équipement moderne pour plusieurs jusqu'à 4 à 5 filières dont mécanique et filière de l'eau potable par exemple. On dit que actuellement l'INFP est en train de monter et la filière d'eau. C'est la première fois que l'INFP prend le travail dans la filière eau potable et assainissement. Parce que nous estimons que l'important qu'on ait des techniciens qui forment dans ce sens-là. Donc actuellement, nous gagnons avec à travers le projet CEPEJ qui est financé par la France, à travers la France et l'Union européenne, à travers le projet d'appui au centre, nous avons gagné environ 12 à 18 professeurs de centre pilote qui pourraient aller très bientôt là à Limoges pour aller prendre formation pendant 3 à 4 semaines dans le domaine technique de gestion de l'eau et assainissement. Et nous faisons filière ça de concert avec DINEPA. Ça veut dire que nous travaillons ensemble avec DINEPA. Donc, nous sommes capables de dire que centre pilote actuellement, c'est centre qui gagne plus investissement actuellement, que ce soit en termes de restructuration, que ce soit en termes de dotation d'équipement et de matériel, que ce soit en termes de plan de gouvernance, parce que nous avons gardé si nous sommes capables de rendre et chaque école gagne une certaine autonomie administrative et puis nous accompagner dans le cadre de formation des maîtres. JB Damien. JB Damien lui-même, son cas. Et son cas dans la mesure où JB Damien nous joint écrasé et après tremblement de terre, il est dans un hangar. Donc, nous-mêmes, première démarche nous avons fait et président a demandé nous le tout, c'est pour nous organiser pour que en 2019, et que JB Damier reconstruit en tant que patrimoine. Donc, nous avons gagné le Japon, qui était sous dossier que nous avons joint pour des raisons ou une autre, ou un dossier qui a 4 ans, qui a 5 ans, ou pas de jambes remonter et surface, dont le dossier du Brésil, Tech, par exemple, que mal découvert dans un tiroir sans que je n'ai gagné aucun. Et moun le alors en termes de prédécesseur qui t'ai fait et yon passation de dossier avec moi pour me connaître existence etc. Or c'est un projet de 17 millions de dollars qui t'ai dû construire au CAI. Donc c'est même gens tout nous ouais des dossiers qui t'ai traîné par rapport à JB Damier nous relancer yo et actuellement JB Damier il fait partie de l'école qui va le reconstruire dans année 2019 là. Même gens avec appel d'offres, non, il faut lancer parce que comme il y a un espace déjà, mais c'est la BCD qui lui-même, ça fait deux mois, prend engagement avec nous pour reconstruire JB Damier, Banque Caraïbienne de développement, puisque lui-même actuellement là, nous avons lancé appel d'offres, tout appel d'offres lancé pour nous reconstruire le centre de Saint-Martin qui lui-même est tombé tout dans un tremblement de terre. Mais entre-temps, l'école l'a frappé? Non, l'école lui a frappé. Nous avons gagné. C'est dernièrement fait visite et la situation JB Damier vraiment très, oui, très grave. Très déplorable, mais on comprend que son situation et m'ta capable dit tampon parce que yo getan gagné engagement qui prend sous yo et nous déjà parlé avec directeur JB Damier
pour que nous soyons capables de prendre des mesures, parce que nous avons même guetté depuis l'année dernière à regarder dans qui mesure nous avons transféré dans l'autre espace pour que nous soyons capables d'utiliser l'espace là pour commencer à faire préparation et de terrain, parce que nous déjà en pour parler avec LNBTP qui c'est le laboratoire national pour le capable comme c'est lui qui gagne compétence légale pour le faire. Et donc nous après regarder avec directeur Saint-Lan comment et d'ici mars avril nous capable et ouais si nous t'a délogé yo et mettre yo dans une meilleure structure de travail pour que espace là capable à disposition de LNBTP laboratoire national là pour le cas commencer étude géologique par rapport à dimension et en termes de hauteur que nous voulons bailler une école et de renom comme et JB Damien. Et seulement il faut atelier tout fonctionnel. Par contre, je dis, est-ce que atelier JB Damien a marché, non? Oui, atelier au marché, mais il n'a pas marché avec dimension matérielle que vous besoin, parce que le projet de construction d'école, il a tout marché avec projet de dotation en équipement. Mm-hmm. Parce que même en termes de sécurité, même si Kounian l'autre avait à le mettre de gros appareils, par exemple, un atelier de mécanique, il coûtait $600,000 américains. Un atelier, et par exemple, de soudure, il a $300,000 américains. Donc, en termes de et puis capacitation d'espace là pour le prendre matériel yo en termes de hauteur équipement yo etc lourdeur équipement yo ou pas qu'elle mette le sous un espace qui fait avec un macadam etc qui pas fait qui cassé etc. Donc quelque part nous solliciter comme de fait apprenant yo comme ça et forme du que gagner et le syndicat et lui-même des enseignants et l'association du personnel et que nous avons travaillé avec eux depuis que nous rentrons. Hein, parce que moi-même, je reconnais le syndicat qui était là, qui était en grève avec nous, qui était en négociation avec nous, qui était même tout gagné un point pour nous reconstruire JB Damier et nommer tout formateur. Yo. Donc nous arrivons à nommer tout formateur, nous avons passé à phase de construction, reconstruction JB Damier. Donc nous avons pu parler avec ce syndicat qui lui-même est fonctionné avec INF dans tout respect, mais moi-même, moi dis que gagné un syndicat que monsieur Jean-Marie Léveillé fait créer là, d'accord? Il crée syndicat dans le moment que li en instance pour le prendre pension civile. Donc c'est la loi où il y a 42 ans dans l'institution, genre que je te dis tantôt, li l'heure pour quitter et puis pour aller faire autre chose. Donc on pas comprendre que c'est non au soir de la vie et professionnelle de monsieur Léveillé que il décidé pendant le praler hein, à monter un syndicat et puis qui a marché fait mentir on l'âge au monde qui dépasse 60 ans. Moi même estimé que monsieur Léveillé il doit reprendre ni pour que s'il veut il dit il veut dialogue, mais dialogue fait dans respect. Parfait. Dialogue fait dans respect mutuel. Si on fait crime des lettres, si on moun dit c'est syndicalier, ou pas gen respect et de moun que ou a écrit qui c'est supérieur hiérarchique, parce que même si on dans syndicat, mais ou rete en dedans institution. Donc nous croyons que monsieur Léveillé dit que le bon syndicat, mais il pas gagné aucun comportement digne de ou moun ou employé public, ou moun qui dans fonction publique. Donc moi-même moi mandé le ressaisir, nous-même nous toujours prêts au dialogue, même j'en te qu'on invité le déjà. Moi côté monsieur Léveillé 4 fois déjà. Et l'année dernière, j'ai personnellement médaillé monsieur Léveillé. Il fin prend médaille li puisque le connaît le pral rentrer en pension civile. Bon, il a gon caravane et médisance contre INFP parfois. Avec directeur général là. Il y a quelques points là que me sous j'aime là que syndicat monsieur Léveillé a dirigé et partage avec nous, vraiment de réagir sur mais avant de sou yo bon garder l'école Wab Jérémien il y a un petit plein par rapport à l'école ça semble qu'il y a un qui fait commencer local là seulement là pas de matériel en dedans l'école n'a pas fonctionné tu ne pas apprendre qui sont gagner sur ça. Bon, l'école Wab Jérémien c'est une école qui ouvre exceptionnellement cette année, d'accord, suite à une visite que le président de la République et son excellence Moïse t'a fait dans Wab Jérémien, d'accord, en septembre dernier, d'accord?
Et lorsque il était quitté Mbatla, il était quitté et il était pris engagement, genre qu'il était dit publiquement, et il était dit que il allait parler, instruire directrice générale INFP pour capable faire suivi pour ouvrir l'école. Ils ont l'école pour l'ouvrir, il gagner un processus. Un processus de lancement l'école là pour 10 populations que li ouvert, un deuxième processus pour 10 élèves yo que ou a commencé inscription telle là et après inscription faut que yo vienne composer, après faut faire examen, après examen faut afficher. Donc ça veut dire que son l'école qui en réalité ouvrit environ avril qui s'est passé là, avril ça là. Donc son l'école qui a environ 6 mois de fonctionnement, d'accord? Maintenant nous t'ai gagné puisque nous t'a prouvé tout de suite, nous t'ai organisé nous avec direction des opérations pour que nous t'ai fait bon ce que nous toujours fait d'ailleurs, une sorte de probation avec l'école et professeurs formateurs qui viennent enseigner dans l'école. Donc professeur connaît que li engagé l'a venu en probation, l'a venu commencer son travail mais il va l'évaluer et puis c'est sous base évaluation ça que puis devant nous pral procéder à nomination yo. Donc cela veut dire que les nominations qui ont été faites à l'INFP de tout professeur qui était dans la rue yo, moun sa peut coexister parce que depuis le te gen grève en 2017 là, 2018 peut ko gen l'école ça, ça veut dire que yo patap getan INFP patap getan fait nomination professeur ça yo. Donc ces professeurs là, yo fini avec probation yo, yo te gen pou te voye tout dossier yo remettre direction des opérations et ces dossiers là sont en cours pour yo capable faire vérification, faire choix yo à partir de évaluation et puis kounyen pour yo capable procéder à nomination moun qui répond, formateur qui répond à ça qui fixé par rapport avec barème INFP pour nommer des enseignants et des formateurs. Qui l'école là pour ouvrir? L'école là ouvrir. Maintenant, dans un deuxième temps, nous t'ai engagé nous avec l'ancien directeur de cabinet du président et le président était au courant, son cabinet était au courant que nous t'ai utilisé you période de, comment on dit ça, encore probatoire, mais peut-être pas pour les formateurs, mais pour que nous te gagnions les métiers les moins lourds en investissement. Parce que ou pas capable en 6 mois pour gagner matériel. Parce qu'on pas joindre ici. Donc, nous te prenons 6 mois pour nous capable lancer appel d'offre, d'accord? Pour nous capable doter l'école de matériel par rapport avec des cours plus strong et plus et comme mécanique, comme soudure, etc. Nous commençons avec des cours de cuisine, d'accord? Nous avons gagné l'année, pas longtemps pour mois de. Pas longtemps, peut-être deux à trois mois de cela, accompagné d'un représentant du palais, M. Joseph, du cabinet du président de la République. Nous avons une dégustation de 100 jeunes. Côté que nous chita normalement buffet, nous manger ensemble et nous avons même pris un carafe crémasse qui était tellement bon que nous t'ai voyé dans le palais pour dégustation. Pour montrer tellement travail en t'ai fait, ti moun yo yo gen professeur, yo gen formateur, donc t'ai gen 100 jeunes qui t'ai participé dans examen et nous-mêmes nous participé dans examen avec yo. Nous gagnons les cours d'anglais, des cours de et qui lié au commerce par exemple, les cours de comptabilité, les cours en informatique, moi-même INFP, en attendant que nous t'ai ca fin doté et l'école là de tout matériel, nous t'ai guettant et au niveau de l'INFP, oui, sans que c'est pas encore le budget d'investissement, d'accord? Nous avec fonctionnement INFP, nous prend et 40 ordinateurs. Nous commander 40 ordinateurs pour nous être capable de lancer atelier ça. Donc, ça veut dire que c'est au fur et à mesure. Et en plus, si on est allé dans l'école Lankounye, on a besoin que gagner 5 ateliers qui sont fonctionnels. Non seulement atelier cuisine, ou gen atelier énergie renouvelable, nous gen atelier mécanique,
et mécanique. Nous avons un atelier, parce que j'ai deux lots, mais j'ai 5 ateliers que APF mettait à la disposition de l'école. Et me songeait toute la presse était là lorsque j'ai fait inauguration, 5 ateliers, ça y est, avec 5 métiers qui installés en dedans Wav Jérémy, côté Timounio à travail. Donc maintenant, c'est normal que nous continuions. Nous gagnons environ 4 ateliers là. Semaine ça, ça gagne 2 semaines. Et c'est quand pas c'est quand bon parce que j'ai firme là et entreprise là qui saute déposer matériel construction yo yo gagne 3 lots de matériel parce que moi t'ai demandé la bid en attendant que mon temps et planification qui t'est lié t'est décaissé yo fait presque 1 an yo pas jamais décaissé le monter descendre voyer document ça pas jamais rivé fait donc kounyan moi même moi t'ai demandé bid un montant qui t'est resté sous UCP moi t'ai demandé bid pour te mettre à la disposition de Wav Jérémy et ces montants ont été effectivement mis à la disposition. Le marché a été finalisé et gagné depuis 2 semaines, gagné l'atelier de construction qui a été déposé, atelier mécanique là, supposé déposer semaine ça, l'atelier de cosmétologie qui est fait par AFCO est en train d'être installé, d'accord, et tout le monde et tout staff yo au courant et gagné atelier cuisine là qui a renforcé ainsi que l'atelier de d'informatique. Bon, nous sommes là comme données et monsieur syndicat vous voyez nous là. Et vous parlez de H, le plateau central, un citoyen qui est lié à Armand Gaspard, que la Banque interaméricaine nous dit qu'il est sélectionné pour prendre formation pour devenir directeur nouveau centre de formation professionnelle. Il est étonné pour vous, c'est M. Jacques qu'on choisit pour venir diriger l'école là pendant que vous dites qu'il n'est pas dans le système. Là. Et c'est un reproche que vous faites comme directrice générale. Bon, M. Lévé, tout le monde qui n'est pas dans le même atelier avec ou bien qui n'est pas même l'âge avec pas dans le système. Moi-même, qui j'en pour me dans le système de formation professionnelle, j'ai 3 diplômes professionnels. Monsieur Léveillé n'a pas qu'à décider qui est, qui est dans la formation professionnelle ou pas, si lui-même n'a pas gagné CV Mounio. Et puis, en termes de management, que ce soit management privé, que ce soit management public, il gagne des procédures de recrutement. Et procédure de recrutement, il marche tout avec des mouvements du personnel. Et mouvement du personnel, il marche avec qui personnel ou a ciblé dans le moment que vous gagnez tel ou tel objectif et que vous voulez réaliser. Donc, ce qui fait que quel que soit le monde qui n'a une fonction de décision, il y a tout le temps des décisions que l'obligé prend par rapport à qui objectif, qui résultat l'a cherché pour tel moment. Monsieur Gaspard, c'est un jeune monde qui peut jamais rentrer dans le système de formation professionnelle là, dans l'État. Il peut jamais dans l'INFP. C'est moi-même qui nomme Monsieur Gaspard. Moi, rencontré Monsieur Gaspard, l'homme rentré en mars. En avril, Monsieur Gaspard était comme stagiaire, d'accord? Lycée stagiaire en dedans et centre Carrefour. Lycée Tihench pour le vin Carrefour, pour le vin prendre un stage. Un stage de gestion et de centre et aux côtés de et l'école de Carrefour. Avec un groupe, c'était un groupe de 4 personnes. Mm-hmm. D'accord? Maintenant, là, nous venons pour nous. Et parce que l'école n'a pas de jambes construit. Donc, M. Léveillé pas capable de dire que M. Gaspard était nommé ou bien il était non et stage pour être directeur ou bien pour être directeur. Parce que moi-même, le moins recevoir M. Gaspard, moi lis contrat dit lycée un stagiaire au niveau de l'INFP. Maintenant, moi j'étais avec M. Gaspard, stage li fini, pas un centre qui existait. Le centre était en construction. Et le monsieur est gardé, moi gardé profil li, m'a gardé centre que moi-même kounye en nous changer et nous changer prototype yo parce que kounye en nous vinn 3 différents centres, un centre de déploiement, un centre moyen et puis un centre et quelque part de proximité. Donc qui vinn bay et tantôt de grands centres que nous relé centre Capral nan chef lieu yo, OK? Et qui dépensait environ 6 millions de dollars de construction et d'équipement, etc. Donc, à ce moment,
Le moi, M. Gaspard, m'a suivi, moi, étant en contact avec lui. Et à un certain moment, je me suis même dit que, puisque pour qu'on gagne un processus de nomination, il n'est pas capable de gagner, il n'est pas dans l'INFP, parce que le stage est fini. D'accord? Et il était même entendu avec moi que, est-ce que s'il joue un autre travail, il est capable d'aller? Je me dis, mais c'est sûr, parce que où était un stagiaire? Donc, c'est en ce sens-là que, avant-dernière fois, je me parlé avec M. Gaspard, je me fait connaître que, capable de gagner possibilité pour venir rentrer avec lui dans le système non, à différents niveaux, mais il n'y a pas aucune garantie pour le moment que lui tapral et jouer rôle directeur, d'autant plus que le centre n'existait pas encore. Mm. Donc, maintenant, en un an, ça te l'a construit avec, et je capable de dire, de nouveaux objectifs. Et, Pabli, je te dis, M. Gaspard, pourquoi travaille dans l'INFP du tout? M'apprendre que l'IT travaille comme professeur non privé, mais il n'y a pas qu'on le système l'État. Il n'y a pas dans l'État même. Il n'y a pas qu'on aucune expérience étatique. Moi-même, puisque moi, où elle te font stage, moi, estime qu'il est capable de servir le système non quand même. À ce moment, moi, relève, moi, fais le poté dossier et moi-même, moi, procéder à nomination. Même si ce n'est pas moi qui signe une nomination, mais en tant que directrice générale de l'INFP, qui a géré l'INFP, c'est nous-mêmes qui pouvons monter le dossier, soumettre à approbation ministre. Donc ça veut dire que si il y a deux dossiers qui ne sont pas allés ou bien qui allaient quelque part, et moi-même, moi, j'ai une responsabilité. Mais monsieur dit que vous transférez dans le bureau central, vous ne pouvez pas m'installer dans la fonction. Non, ce n'est pas moi pour installer. Il y a une lettre dans mail qui dit que les sont techniciens dans le bureau central, là, vient dans le travail pour installer. Parce que jusqu'à présent, là, il est en rébellion. Parce que ce que M. Gaspard a fait, c'est que l'entrée en dans syndicat, M. Léveillé, hein, avant même que rentre dans le système. Non. Parce que même la nomination est dans le syndicat. Et le pape jamais vient rencontrer un monde en dans l'INFP sans que le pape fait l'accompagner par le syndicat. Donc, quelque part, il est entré dans une situation de conflit au départ et automatiquement, que gain irrespect, il vient prendre le même schéma avec M. Léveillé qui est en route de départ. Parce qu'après 42 ans, M. Léveillé n'est pas carré dans le système. Encore lui-même pour premier mois que le bras rentré, il tout rentré dans conflit avec monsieur Léveillé. Mm-hmm. Donc à ce moment, il n'y avait pas d'autre choix que de porter quelqu'un qui lui-même gagnait une notoriété en dedans et département du centre-là et qui. Alors, ce qui est drôle, nous n'avons pas même comprendre que fonction publique là, le mouvement du personnel, il pas seulement en dedans si en dedans bureau ou à gérer. Hein. Il n'est pas seulement dans l'institution, il est inter-institutionnel. Ça veut dire que il y a un monde que vous estimez qui gagne un charisme, qui gagne un comportement qui fait que vous êtes capable d'utiliser à ce moment, vous êtes capable d'écrire ministre ou écrire ministre et pour demander de mettre à la disposition de l'État. Alors, mais c'est parce que tout, M. Lévé, dans l'affaire syndicale qui fait que nous avons une pension pour nous, non? Non, quelle idée. Il a 42 ans, il devrait prendre une retraite déjà. C'est 30 ans lié. 30 ans, 32 ans, M. Lévé a plus que 60, à 65 ans, je ne sais pas si je me trompe de quelques années, mais il n'est pas. D'ailleurs, c'est le fin qu'on est pour une retraite que il lance son syndicat. Parfait. Donc, ce qui est une affaire personnelle que M. Lévé dit, l'a réglé avec Maggie Diossé. Folle jeune tête, Maggie Diossé. Bon, moi-même, ma tête est là. Non, au fait que, puisque je demandais le prend pension, ça m'était arrivé au ministère du Commerce. Depuis où m'a dit, employé l'État qui a 40 ans, 50 ans, prend pension, il vient fort ennemi. Moi-même, ça arrivait, j'ai eu 4 ennemis que je quittais dans le ministère du Commerce qui ont 40 qui ont plus que 42 ans de service. Beaucoup n'y ont pas l'impression de aller parce que ça a 12 ans que je quittais le ministère, là. 10 ans que je quittais le ministère. Je ne sais pas là toujours. Alors, mais c'est un tout ministre comme ça, depuis où fait liste de monde qui ont entre 30 à 50 ans dans la fonction publique là ou mandé pour faire droit valoir droit à la pension yo, automatiquement yo fort ennemi et pour yo faut qu'on aller quitter. OK, bon, la nouvelle on va prendre 2-3 points rapides puisque le nous presque arrivé madame Dussé. Question terrain sans pilote là tout. Ça veut dire espace confié la SONAPI. Bon, c'est difficile et Serginho pour m'a répondre question une après l'autre dont syndicat k'ap bay menti. Moi même pense que l'INFP il y a plus bagaille il fait pour moun ta parler de lui même si c'est pas Maggie Diossé.
Moi-même, pas pour répondre du tac au tac avec M. Léveillé, parce que nous connaissons la situation de M. Léveillé. Et pour la nation, il y a connaît que M. Léveillé, pour moi, il n'y a pas travail dans l'NFP. D'ailleurs, il n'y a pas jamais venu dans le bureau, il n'y a pas jamais venu travailler. Bah, il n'y a pas dans le bureau, M. Léveillé a travaillé, homme qui a 20 mois dans l'NFP. Ça veut dire qu'il n'est pas un employé. Il est directeur général. Bien sûr. Faut personnel ou. Non, même qu'on ouelle, mais il n'y a pas de bureau, il n'y a pas aucun côté de travail. C'est un grain sec. En bon créole, c'est un grain de 5 ans dans l'INFP. Et puis, quand on l'a utilisé des parliens, parce que de toute façon, le pralé, moi-même, moi, je suis pour m'aller. Même quand on est venu, m'a fait en fonction de loyauté, en fonction de intégrité et en fonction de l'efficacité. Qui sont les trois critères de la fonction publique pour tout fonctionnaire? Monsieur Léveillé m'a dit pour la nation, il n'est pas ni loyal, parce que l'a fait des loyautés dans toute la presse. Contre une institution la travail et contre un monde qui est supérieur hiérarchique, il n'est pas ni intègre parce que le pas vivre dans le travail, ni le pas d'efficacité. Donc, pour qui ça, pour m'a répondre à chaque fois. Pour qui ça, il y a une passerelle de communication qui t'a permettre que et toute parole, ça va parler dans monsieur, la presse. Monsieur Léveillé, dernière rencontre que j'ai fait avec syndicat, vrai syndicat INFPA, d'accord? Bien sûr, parce que les gens qui ont bataillé depuis longtemps, parce qu'il y a ce qu'on appelle la notoriété. Comment pour prendre un vignon, créer un syndicat, gagner 3-4 mois, et pour marcher dans toute radio et pour syndicat, ou gagner 2-3 grains de monde avant, mais se lever et pas qu'il y a des gens avec lui, parce qu'il n'est pas respecté dans le système. Donc maintenant, moi, je prends M. Léveillé tellement au plus haut niveau, avec tout le respect que le mérite, avec cheveux blancs, et me tromper grandement de lui, parce que pas qu'il y a des gens qui sont grands, qui sont dans la situation ça. L'homme a pris l'âge, il faut sage. Moi-même, moi, je prends M. Léveillé, je m'impose dans la réunion que je fais avec le syndicat, syndicat qui est guettant, parce que il y a un dossier. Lors vini non institution ou joint syndicat qui est en négociation depuis avec ministre qui est en 20 ministres que m'était là li gagnen et accord que t'ai signé mais faut me respecter yo et faut me chita avec yo yo même c'est avec yo le m'était fin faire liste par exemple de nomination yo moi chita avec yo yo dit madame du c'est gen pi fort moun qui pas dans liste là moi remettre yo liste là m'dit al travail c'est syndicat oui qui pote liste formateur qui l'a depuis 15, 16, 17 ans, ben moins pour que nomination yo fait. Ça veut dire que le syndicat qui est reconnu et par l'INFP, qui tape travail déjà, qui gagne notoriété, moi pour parler avec elle. Mais maintenant, M. Léveillé, l'homme te mandé pour te participer dans la réunion. Le syndicat te dit yo pas chita avec lui. Pour ça? Parce que yo pas respecté, parce qu'il n'est pas respecté. Yo gagne en pile grief contre lui. Moi même, comme directeur général, moi imposé M. Léveillé comme moun qui te nan comme consultant. Comme dit non, il est là en tant que consultant, il est ancien dans l'institution. Moi, je voulais que l'il là, au moins, faut que nous soyons capables de modérer, faut que nous soyons communiquer, faut que nous soyons parler, faut que nous soyons dialoguer. Monsieur Léveillé n'est pas démenti. En plus, moi, je prends une médaille. Pendant ma médaille, 44 personnes dans l'INFP, moi, médaillé Monsieur Léveillé. Ça veut dire que nous avons plus que dialogue avec. Il était à mon bureau. Monsieur Léveillé, c'est lui qui vient dans le bureau, qui montrait toutes photos anciennes qui et qu'on a passé dans JB Damier, montrer qui vient rafraîchir mémoire moi et par exemple sous Ansi de Rose que nous estimons que nous ta même doit faire une sentio porter nol tellement il était et toute lui même dans question vie professionnelle. Donc ça veut dire que il y a aucun problème. Mais m'a fini pour me dire que moi même moi pas dans DGI. Moi, c'est directeur général INFP. Et, Femme Dou, Serginho, l'INFP, il a fonctionné avec une direction générale. L'autre direction n'a pas existé, en quelque sorte. Parce que directeur planification, pas qu'à dire qui projet t'a fait. Directeur et administration, pas qu'à dire qui ça t'a réglé. Donc, les avocats, ils n'ont pas intégré, ils n'ont pas comme ça qu'a fait. Moi-même, l'homme vini, moi intégré chaque service et pas de un yem fait qui a rapport à la loi sans que les deux techniciens en juridique et qui affectent à la direction générale là, pas bon yon avis écrit. Et c'est avis ça, c'est eux-mêmes qui portent le dossier. Hein. C'est eux qui rencontrent et monsieur présumé dans l'époque industrielle. C'est eux qui rencontrent le directeur de la DGI, qui eux-mêmes font rafraîchissement de lisière. Et c'est ce rafraîchissement de lisière qui démontrait que l'espace, moi-même, pas moins que faire rafraîchissement de lisière. Donc, s'il y a un dossier légal
qui est le rafraîchissement de l'Isir, qui dit que le terrain, c'est le parc-là qui t'a cédé et sans pilote li pendant quelques temps, moi même qui ça m'a dit. Donc là, il a pas le fait, élève, yo pote bourré devant mon avec zam, etc. Moi, relé pour me dire, pas quitter ti moun yo fait manifestation pour nous capables protéger la vie, yo, quitter dossier en résoudre légalement. Et ça ne me concernait pas. Ça concernait le premier ministre Lafontaine qui m'a appelé personnellement sur la question. Ça concerne tous les cadres au plus haut niveau de l'État qui te connaît, mais qui j'en dossier en yé, mais qui s'allie légalement. Donc moi-même, j'ai obligation pour me protéger la vie jeune yo qui pral camper pour bataille, pour un terrain qui semblait et pas pour yo. Donc à ce moment, le problème est résolu. Et puis le dialogue, c'est pas dénigrement. On peut dialoguer sans le dénigrement. C'est ça pour nous commencer à montrer jeunes. Parce que avec système réseaux sociaux, yo, ou bien avec yon, par contre, qui j'en pour me et gon laisser aller qu'on y en a presse là. N'a permettre moins deal parce que moi c'est le pape servir nation côté que yo ouvert micro by n'importe moun et puis c'est le moun nan fin détruire un moun d'ailleurs là yo fait émission hein moun k'ap suivre émission jodi an li pa suivre moun k'ap vinn répondre demain hein. Donc là yo moun ou cédé ou son journaliste ou c'est don micro ba un monde qui vient détruire un monde parce que il gagne problème personnel avec elle ou bien parce que il gagne n'importe type de problème politique et autres même parce que c'est détruire a détruire une série de valeurs même quoi que faut yo faut qu'on filtre dans la presse là de toute manière principe tu as dit si un monde qui vient accuser l'autre demain faut pas la possibilité à l'autre monde pour défendre oui même parce que faut aller plus loin c'est pas quitter monde dans vient accuser gagne de émission faut le faire en différé parce que sous vient détruire monde n'en pas là sinon ou ap tout invité tous les deux. Et à ce moment, pendant groupe ça a suivi émission, l'a tout gagné équilibre. Moi même pense que faut presse là, si m'ta aimé faire yon souhait à presse haïtienne là, c'est pour yo relever et pas quitter les réseaux sociaux yo craser et dimension presse là. 2019 pour arriver madame Dussé, perspective pour la formation professionnelle, c'est qui ça oui rapidement. On a beaucoup de perspectives, nous gagnons et environ 4 centres que nous allons construire là, parce que l'appel d'offres est déjà lancé. Et nous profiter, excusez-nous, et auprès de la population des CAI qui attendent depuis environ un an. Mais on connaît avec les Brésiliens, ils ont gagné une discussion tout le temps. Donc, semaine passée, nous obligé été très ferme et au non-président de la République là, pour nous dire que ce n'est pas normal qu'ils aient continué. Et puis, une question de appel d'offres lancé, appel d'offres là, infructueux. Lorsqu'on son appel d'offres infructueux, on est obligé de recommencer et ça te prend encore 3 mois. Donc à chaque fois qu'on tend un prolongement, donc kounye an appel d'offres nous lancer, li nan nouvelle liste depuis la semaine dernière pour les CAI, nous pral lancer appel d'offres en octobre en janvier à là pour Fort Liberté et Saint-Maur. Nous déjà lancé appel d'offres, nous finir avec appel d'offres pour le centre de Saint-Martin et nous pral continuer pour que nous arriver d'ici mars avril et pour nous faire lancement appel d'offres nous pour le centre de JB Damier. Donc quelque part c'est en pile perspective. Nous gagnons le centre pour la première fois et en termes de qualité, professeurs, formateurs, gagnons en pile plein. Nous allons lancer l'INFP en janvier là avec les Salésiens, le centre, le premier centre national de formation des formateurs. Côté tout formateur qui est dans le système non, obligatoirement pour aller prendre des formations et formation continue. Et puis, à partir de 2 ans, nous allons ouvrir à des jeunes qui voulaient, qui sautent dans l'université, hein, pour eux-mêmes venir prendre formation en pédagogie pour formation initiale. Mais nous avons fait les premières 2 ans yo, pour nous capables de faire et mise en commun de tout formateur yo, en question d'approche par compétences. Donc, nous avons travaillé tout sur l'insertion professionnelle parce que c'est quelque part, ou avons formé, ou avons demandé pour qui est-ce qu'on a formé parce que jeunes ont plein de diplômes dans les mains.
et puis Yoshita. Donc, on y en a travaillé, nous avons un bon projet là avec Canado Haïtien, l'école Canado Haïtien, côté que nous avons une relation triangulaire avec GL Shoes, côté que nous avons environ 1 000 000 jeunes que nous allons insérer dans des domaines de mécanique, de électricité, etc., qui liés avec les domaines ça. Donc, nous croyons que nous avons pile perspective cap avancer, mais surtout, nous demandons des jeunes yo viennent inscrire dans la formation professionnelle. Yo. Nous même à travailler pour nous jeunes des bourses pour yo pour que yo capable commencer au moins première année. Yo. Donc nous croyons que c'est deux perspectives qui intéressantes. Donc nous souhaitons que l'offre et la demande yo vraiment et fait équilibre pour que nous capable sauver le pays hein, à travers ouais. La technique, à travers la formation. Surtout je dis avec question PPA, avec qui vient plus bas. Même ministère du commerce qui gagne Wally pour jouer dans ce sens là parce que il y a la loi et de sur Duvalier, c'est je crois que c'était en 1972 qui ou bien 1929 m'bavle et Yagadeli donc qui carrément interdit et question friperie et en Haïti. Bon moi même dans moment que m'te vle m'te vinn gen information hein, m'te vle commencer à attaquer et m'te joine quelques barrières même penser que kounye an yo rend yo compte que et situation envahissante nan rue yo. Donc on pense que li important pour nous ta faire un rafraîchissement même par rapport à parlementaire yo sous question ça et garder comment nous capable attaquer vraiment et question de développement production nationale. Parce que je dis il fait longtemps mon petit moun va l'école c'est quand on est qu'on mette botte dans pio mais sous dans pio ouais. Et que bataille et que nous te qu'on était gain step over. Ouais. Mais malheureusement ouais, malheureusement mais avec GL chose que nous encourager initiative là nous croit que li important donc nous pral gagner de grands et matériel et équipement tout pour le centre de le CASM le centre parce que c'est celle lui-même qui gagne maroquinerie la donne et qui travaille kounyan donc nous déjà et a préparé pour lancement et appel d'offres pour matériel yo. Donc c'est sûr que d'ici une année et n'a plus loin par rapport avec centre non seulement en termes d'infrastructure mais en termes de capacité et puis centre n'a pour yo différent on va regarder centre Rinchlan c'est une plus belle centre qui existait le centre de Jacmel donc ou senti gon air moderne cap vanté sous et formation professionnelle là donc nous mande jeunes yo rete veatif et que n'a travail INFP a travail et c'est toute une équipe cap travail pour capable pérenniser et quelque part nouvelle modernité ça que n'a essayé mettre dans formation professionnelle là ainsi que la réforme par rapport à infrastructure qualité et contrôle au niveau de toute l'autre l'école professionnelle privée. C'est l'année invité, je viens pour année ça. Et je souhaite déjà mes vœux les meilleurs pour l'année 2019. Je suis content parce que tu es avec nous matin à la mise au point, Madame Diosse. Merci Serginho. Je suis content avec nous. Je souhaite que l'année 2019 soit la meilleure dans tout domaine. Et par rapport à la communication, tout parce que nous prenons bon, moi-même particulièrement, c'était toute chose sous dôme. Chaque radio mouvait, c'est sous dôme à Guy Diosse. Donc, nous croyons que son vague liée l'a passé. Et nous dit que nous tendons la main, même Jean-Président de la République l'a dit, à tout le monde pour que le dialogue l'a lui-même est capable, le motif qui kembe nous comme ciment. Parce que nous besoin de dialoguer, nous besoin de communiquer. Et ce n'est pas pour communiquer pour la galerie, ce n'est pas communiquer pour se faire voir, mais c'est communiquer avec un contenu, mais un contenu qui est positif, un contenu qui est objectif. Voilà, notre invité ce matin, Maggie Diosse, directrice générale de l'INFP. Merci tout le monde, nous sommes contents de servir pendant toute l'année. Ça. Nous souhaitons une passion très bonne journée, si nous avons suivi nous en direct. Bon après-midi, bonne soirée, si c'est en rediffusion. Et déjà, bonne et heureuse année 2019 avec la TNH, bien entendu. À bientôt. Merci, madame.